Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Minecraft, sur mon LP. Et alors, depuis la dernière fois, j'ai fait beaucoup de choses, hein. Je suis resté AFK pas mal au spawner XP à araignée. Voici tout ce que j'ai enchanté, donc 9 trucs en tout, même 10, je crois que j'ai enchanté un livre aussi. J'avais eu de la merde dessus, ici je l'avais mis, j'avais eu Power 3, voilà, c'était pourri au niveau 30. Donc au niveau des enchantements, j'ai eu des trucs bien, pas bien, c'est assez moyen. Dans l'ensemble, bon, c'est pas mal finalement. Donc je me suis enchanté pas mal de pioches, 4 pioches en tout. J'en ai eu une Unbreak 3, Efficiency 4. J'ai eu une pelle, une super pelle, Steel Touch 1, Unbreak 3, Efficiency 4. Mais avant d'avoir celle-ci, j'en avais enchanté une autre où j'avais juste eu Efficiency 4. J'ai fait aussi une hache aussi, Efficiency 4, Fortune 3. Une pioche Unbreak 3 que je pourrais combiner avec une future pioche. Ou que je pourrais combiner avec ma Fortune 3 que j'ai réussi à avoir ici, Efficiency 4 Fortune 3. Ça me fera une Efficiency 4 Fortune 3 Unbreak 3. Sinon j'avais eu une Efficiency 4 et une autre Unbreaking 3, donc j'ai fusionné les deux. Non, j'ai pas eu ça, j'ai eu une Efficiency 4 Unbreak 3 plus une Efficiency 3. Et du coup j'ai combiné les deux et ça m'a donné ça. Au niveau de l'épée, alors là j'ai eu la chance, hein, j'ai une très bonne épée. Sharpness 3, Knockback 2, Fire Aspect 1, ça c'est nickel. Celle-ci je vais la garder longtemps j'espère. Et voilà, et des bottes aussi en diamant, Fire Protection 3, j'espère avoir Fissure Falling dessus. Mais j'ai pas eu, donc tant pis, ça restera du Fire Protection. Et au pire, si j'arrive à avoir Fissure Falling sur un livre, je combinerai avec ces bottes. Donc voilà, on a du bon petit stuff du coup maintenant pour jouer. Ça va être plus cool pour creuser surtout. Je vais ranger tout ça ici. Et maintenant je vais vous présenter tout ce que j'ai creusé depuis la dernière fois. Donc je n'ai non pas creusé le chunk à slime, j'ai pas avancé le chunk à slime, mais j'ai plutôt avancé directement dans ma base. Alors comme vous pouvez le voir ici, ça a vachement changé. J'ai fait un gros trou ici. Voilà, j'ai libéré plein d'espace ici, j'ai tout creusé. Avant on avait juste un couloir ici qui passait là, puis un deuxième couloir qui passait vers là-bas. J'ai creusé aussi un grand espace pour le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Et voilà, j'ai creusé ici à cet endroit-là, il faudra que je fasse un... soit une simple échelle, soit un ascenseur, je sais pas trop comment je vais voir ça. Mais je ferai un truc pour pouvoir descendre et monter facilement. Et ici, on va commencer, enfin on va étendre, on va s'étendre un peu de tous les côtés, je pense, pour faire notre base, tranquillement. Ici, j'ai fait un petit lac, je trouvais ça sympa, je trouve que ça rendait bien. Un lac souterrain avec une cascade qui descend de ici. Puisque sous ces escaliers-là, j'ai fait encore un autre petit lac. Et donc ici on a un trou et ça descend jusqu'en bas. Voilà, je voulais faire un petit peu de décoration. J'ai changé toute la terre et toutes les cobbles aussi qui étaient sur les murs. J'ai tout remplacé par de la stone. Ça fait quand même beaucoup plus propre. Tiens d'ailleurs ici j'avais oublié de replanter. J'avais bien récolté. Voilà, donc aujourd'hui on va réaliser un projet. On va mettre en pause le chunk à slime. On recommencera sans doute au prochain épisode. Et du coup aujourd'hui, ah oui j'ai bougé aussi le portail du Nether, je l'ai placé ici. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, ça m'a déjà pris beaucoup de temps à tout creuser là ici. Tout mettre en place, tout bien faire. D'ailleurs il y a mon cheval qui est tombé ici, je sais pas comment il va faire pour mes deux chevaux même. J'avais pas vu que le deuxième aussi. Bon bah ils sont intelligents, c'est bien. projet qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est une ferme à melons et citrouilles full automatique. Donc j'ai trouvé un design, j'avais trouvé sur le forum minecraft.fr, je crois que c'était Minecoincoin qui présentait une ferme à canne à sucre totalement automatique avec des bus switch, et moi j'ai réutilisé ces bus switch pour en faire une ferme à melon et citrouille. Donc du coup, avant ça je voulais faire aussi une autre chose. Mais d'abord je vais faire ça parce que je suis pas certain d'avoir le temps de tout faire. Donc je vais plutôt commencer d'abord par cette ferme à melon et citrouille. Et ensuite on verra si on a le temps pour la suite. Alors on va aller faire un tour dans mon chunk à slime parce que là je suis en train de préparer tout ce dont je vais avoir besoin. Et je vais avoir besoin de plus de slime ball que j'ai actuellement. Actuellement j'ai que 20 slime ball. Du coup j'aimerais en avoir 32, je pense que ça suffirait. Suffirait d'avoir... un ou deux gros slimes en bas et ça devrait être bon. Et j'entends déjà des slimes d'ici. Donc ça m'a l'air bon. Alors j'ai déjà une slime ball. Est-ce qu'il y a des gros slimes par là-bas? Généralement ils sont toujours contre les murs vu que lorsqu'ils spawnent,
ils avancent en permanence. Ouais, j'ai des slimes ici, donc ça prouve bien que ça fonctionne, que mes chunks à slime sont bons, vu que ça spawn ici. Mais ça spawn pas des masses, hein, c'est normal, vu que j'ai rien éclairé autour, ou quasiment rien. Du coup, on n'a pas beaucoup de slime. J'entends un autre slime, mais je sais pas trop par où aller. Ça doit être peut-être par ici. Voilà, il me faut juste un dernier slime et puis je pense que j'aurai assez de slime ball. Au pire, je vais essayer de me débrouiller sans. Oh, il y a la redstone ici. Tiens, j'ai pas exploré par ici. Faudra que je vienne. Je vais pas mettre de torche, comme ça je sais que j'aurai pas exploré. Je vais rien voir. Oh, elle est vachement efficace cette épée, hein. Deux coups pour buter les zombies. C'est pas mal. Bon, du coup, je vais me faire d'autres slime balls. Et puis, on va se retrouver devant le système. Pour tout mettre en place. Alors, j'ai pas réussi à trouver plus de slime balls. J'ai que 27 slime balls. Du coup, on va commencer le système ensemble. Et le temps que ça spawn en bas dans mes chunks à slime. Après, je retournerai y faire un tour avec la Malouting 3. Et j'irai juste me servir en slime ball. De toute façon, je ferai une limite puisque je vais juste vous montrer le motif de la ferme que je répéterai plusieurs fois pour les melons et les citrouilles. Donc là, j'ai préparé tout ce dont on aura besoin, tout ce qu'on va crafter. Déjà, on va avoir besoin de comparateurs, donc je vais en faire 16 pour l'instant. Je pense que j'en aurai besoin de plus, mais pour l'instant, on va se limiter à 16. Par contre, il me faut des torches. Je vais prendre juste de quoi faire des torches, il me faut plus que ça. Voilà, parce que pour faire les comparateurs, il faut des torches, de redstone. Voilà, donc le comparateur, ça se craft en divisant les torches par 3 ici, du quartz et de la stone. Voilà, j'ai mis 16 comparateurs. D'ailleurs, je crois qu'il m'en restait dans ce coffre-là. Non, il m'en restait pas. Je vais avoir besoin de pistons, évidemment. Du coup, je vais crafter mon premier stack de pistons. Alors, hop, on met tout ce qu'il faut. Et le bois, j'ai oublié de transformer ça en planche. Les pistons, j'adore ça. Voilà, on a notre stack de pistons, c'est cool. On va tous les transformer en sticky, vu qu'on aura besoin que des sticky. Je peux laisser cela ici. J'aurai besoin de blocs de redstone, pas autant, hein, mais j'ai pris la dose, comme ça j'ai de quoi faire si jamais je veux de la redstone en plus. Et sinon, c'est à peu près tout. Je vais avoir besoin de pas mal de fer aussi. Vous allez voir pourquoi après. D'une part pour faire des hoppers, et aussi pour faire des chaudrons. Vous allez voir pourquoi j'utilise des chaudrons. Alors en fait pour notre système, donc ça va se baser principalement sur les buds, ces mises à jour de blocs qui détecteront lorsque un melon, enfin une pastèque ou une citrouille poussera et ça déclenchera automatiquement une récolte et ça ira tout récolter dans des hoppers puis dans un coffre dans lequel on classera soit les citrouilles soit les pastèques. Donc alors je vais vous montrer le type de bud que c'est vu que les buds ont changé depuis la mise à jour 1.5 vu qu'ils sont censés avoir corrigé ce bug vu qu'à la base c'est un bug mais c'est toujours possible d'en faire. Donc je vais vous montrer comment. Alors ce bud nous vient de Minecraft Swiss Dummies, j'ai pas été vérifié mais il me semble que c'est bien lui le premier à l'avoir fait, enfin qui en tout cas qu'il l'a présenté sur sa chaîne. Et donc ça va utiliser les chaudrons. Je vais vous expliquer pourquoi un chaudron et pas un bloc de redstone juste après. Mais d'abord je vais vous montrer comment le faire. Donc en fait c'est très simple. On met de l'eau dans un chaudron et avec la nouvelle propriété des comparateurs, ceux-ci permettent de détecter lorsqu'il y a de l'eau dans un chaudron. Et c'est ça qui va nous envoyer notre signal de redstone par ici. Ensuite on va simplement buder ce piston là. Donc pour ça on va mettre un bloc ici avec un piston collant ici et un bloc de redstone. Et ce bloc de redstone va venir alimenter un bloc en diagonale du piston collant. Donc soit avec de la redstone, soit avec un répéteur. Et donc là vous allez voir que chaque mise à jour de bloc adjacent au piston
va envoyer simplement une impulsion. Alors là, ça ne fonctionne pas, c'est parce que... Oui, évidemment, le comparateur alimente aussi la redstone, donc je me suis trompé, en fait, c'est simplement un répéteur. Il faut absolument mettre un répéteur ici, et non pas une redstone, sinon la redstone est alimentée par le comparateur. Voilà, là, ça fonctionne. Donc là, à chaque mise à jour de bloc, voilà, ça envoie une impulsion. Et donc, pourquoi utiliser un chaudron plein d'eau pour ça? Tout simplement parce que si je mets un bloc de redstone, l'une des propriétés... Enfin, c'est même pas une propriété, hein, c'est un bug du piston. Lorsque je mets un bloc de redstone au-dessus d'un piston comme ça, si j'alimente le piston et qu'ensuite je le désalimente, vous voyez que le piston reste buddé. Il se bud lui-même en fait. Et du coup, le piston reste étendu comme ça et je suis obligé de retirer le bloc de redstone pour pouvoir arrêter, enfin pour pouvoir remettre le piston à sa position initiale. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser ici des chaudrons d'eau. Et donc le but ça va être de placer des blocs de terre ici, voilà, partout ici en fait. Des deux côtés je mettrai des pousses ici, et au centre ça sera là où poussera notre melon ou notre citrouille. Et à ce moment-là, dès que ça poussera, on va avec un piston pousser tout ça. Comment est-ce que je vais procéder pour faire ça d'ailleurs? Avec un piston collant, du coup, non, je vais pas le faire comme ça. Alors voilà comment je vais le faire plutôt. Je vais placer le bud au-dessus, c'est-à-dire que ici, on aura notre terre avec les deux pousses des deux côtés ici. On va dire que la cobble représente les pousses de melon ou de citrouille. Et donc le melon va pousser ici, ça va activer le bud, et ici, on va avoir un piston avec un bloc. Alors là, je vais enlever ça. Voilà, un piston ici avec un bloc qui va venir pousser le melon dans des hoppers, dans une ligne de hoppers qui sera ici reliée jusqu'à un coffre. Donc pour alimenter ce piston là, ça va être très très simple, il suffit de mettre un point de redstone ici. Et maintenant vous allez voir que si il y a un melon qui pousse ici, donc là j'ai pas de bloc qui puisse se casser avec des pistons. Du coup je vais juste en placer un bloc ici pour l'exemple. Et voilà, s'il y avait eu un bloc... alors ici... Ça s'est décollé du piston, le bloc s'est décollé du piston parce que l'impulsion envoyée ici est trop rapide, elle ne fait qu'un tick. Donc pour régler ça, c'est très simple, vous mettez simplement ce répéteur là sur deux ticks. Et là maintenant vous allez voir que... Alors, imaginons qu'ici il y a un melon qui pousse. Hop, directement il est poussé dans une ligne de hopper et il est envoyé dans le coffre. Et c'est la même chose pour les citrouilles. Donc du coup, alors je vais construire ça et puis je vous montre une fois que c'est terminé ou une fois que c'est bien avancé. Alors on se retrouve juste pour crafter des tripwire afin de faire un trapped chest pour séparer le coffre des citrouilles avec le coffre des melons. Et par contre là il faut du bois, une planche. D'ailleurs je crois que ça les donne par deux les tripwire, je vais voir. Ouais c'est ça, par deux, donc j'ai juste besoin d'un craft, ça suffit. Et donc les trapped chest c'est simplement un tripwire assemblé avec un coffre, et ça donne des trapped chests. Et donc c'est utile pour pouvoir coller par exemple deux coffres les uns à côté des autres. Donc j'ai terminé de faire notre système pour les melons et les citrouilles. On va aller voir ça, enfin j'ai quasiment terminé. Il me reste encore 2-3 trucs à mettre et la déco à faire aussi. Donc là je vais placer tous les hoppers, donc voilà, voilà ce que ça donne. Ici j'ai tous mes buds, et donc au total j'en ai 8 de chaque côté. Ça me fait 8 espaces de pouces pour les melons et 8 espaces de pouces pour les citrouilles. Et donc pour un espace de pouces, en fait ça prend 3 pistons vu qu'on a 2 pistons pour le bud et 1 piston pour pousser le melon ou la citrouille directement dans le hopper. Alors déjà je vais placer des coffres, enfin je vais placer les blocs plutôt ici pour pouvoir placer les hoppers contre ces blocs. Voilà, et donc on aura au bout de ces hoppers un coffre réservé aux citrouilles, et j'ai pas pris assez de hoppers. Et un deuxième coffre réservé pour les melons. Je pensais avoir assez de hoppers, j'avais 24 hoppers. Ah bah oui, mais non, c'est beaucoup plus long que 24 blocs là. Bon, je vais refaire quelques hoppers, je vais devoir aller couper du bois parce que j'ai plus du tout de bois. Et il me faut des nouveaux coffres.
Donc j'ai crafté des coffres supplémentaires, des trapez chests et des chests, et j'ai terminé de placer les hoppers. Donc là, on a une grosse ligne de hoppers là tout le long. Ça coûte cher les hoppers, hein. Je me souvenais plus à quel point c'était cher. Donc maintenant, on va placer nos coffres ici. Et ça, ce sera des coffres de stockage, vu que en dessous, on va replacer des hoppers avec encore des coffres. Donc j'ai placé le trapez chest de ce côté-là, et le coffre de ce côté-là. Et donc, on va avoir du stockage, vu qu'on va placer des hoppers ici. Et ça permettra en fait que lorsque ces deux coffres sont pleins, ça stocke encore tous les items, enfin tous les melons et les citrouilles, dans les coffres qui sont ici. Et du coup maintenant j'aurai juste accès à ces deux coffres là, et je pourrai me servir quand je voudrais, en citrouille et en pastèque. Et voilà, et du coup c'est full automatique, et c'est vraiment très efficace comme système. Il manquera plus qu'à faire la déco et à tout planter. Du coup j'ai mis des sources d'eau ici aussi pour pouvoir sans problème labourer la terre qui est ici. D'ailleurs je me trompe. Donc là vous voyez, ça fonctionne bien, vu que lorsque je mets des blocs, tiens, ils se font inspirer par le hopper. Lorsque je mets des blocs, ils se font bien pousser. C'est plutôt ici que je dois labourer la terre. Voilà, donc j'ai mis de l'eau pour éviter que la terre ne se dessèche et que les graines sautent. Et du coup j'ai plus qu'à tout planter. Alors le melon, je vais le placer de ce côté là je pense. Le melon à gauche, ouais. Melon ici. Et je vais planter toutes les graines de citrouille à droite. Et donc là maintenant il ne restera plus qu'à attendre. Mais moi je suis impatient, donc je vais plutôt les faire pousser à la bonne mine. Et normalement ce système est garanti sans perte, vu qu'on utilise des pistons collants. Non, quoique on a des toutes petites pertes, mais très rarement. Vu qu'on utilise des pistons collants en fait, avec des blocs devant. Les blocs, ça permet de pousser absolument tous les loots dans les hoppers devant. Mais il arrive, je ne sais comment, mais que l'un des bouts du... Enfin, une tranche de melon par exemple, saute ici sur le côté, sur cette terre là, mais c'est très très rare. Donc... on va dire que 95% du temps ça part dans les hoppers, donc on a quasiment aucune perte. Et donc voilà, là, normalement ça devrait être totalement fonctionnel. J'ai mis des blocs aussi sur ces côtés là et là bas pour éviter que ça parte sur les côtés aussi, par mesure de précaution. Et donc maintenant j'aimerais bien que ça pousse devant moi, ça serait bien. Je vais mettre de la glowstone aussi pour que ça puisse pousser plus vite. Alors où est-ce que je vais la mettre, la glowstone? Je pense que je vais la mettre ici, et je mettrai du vert ici, ça sera pas mal. Avec, je suis en train d'imaginer un peu la déco. Ouais, je vais mettre la glowstone derrière chaque pouce. Comme ça au moins je suis certain que ça ne manque pas de lumière. Donc il y a 7 pouces de chaque côté. Et 8 blocs disponibles pour la pousse des melons et des citrouilles. Bon, ça veut pas pousser. Ah, ça y est, on a une citrouille, la première citrouille. On va voir. Ah ben là, ça passera pas, vu que le trapez chest envoie un signal au redstone qui bloque le hopper ici. Mais si j'attends un petit peu, voilà, ça y est. On a notre première citrouille, donc ça fonctionne bien. Et j'aimerais bien qu'il y ait un melon qui pousse pour vous montrer aussi. Ça serait cool. Et donc ce système, c'est pas forcément très rapide, vu que c'est long hein, généralement. Et que j'en ai pas fait énormément des pousses. Mais à la longue, vu que je dois rester pas mal à FK sur mes fermes XP ou tout genre de trucs, à la longue, je finirai par avoir des tonnes et des tonnes de melons et de citrouilles. Voilà, ça y est, on a notre premier melon. Il est parti. Et attention, on a le zombie qui fait chier. On dégage. Voilà. Et voilà, on a les tranches de melon. Et il y en a une qui est partie à côté. Donc ça, ça peut arriver. Si jamais les tranches de melon ou la citrouille sont poussées trop loin dans les hoppers qui sont juste en face. Du coup, pour régler ce problème, j'ai une idée pour régler ce problème. On va faire ça tout de suite. Vous pouvez soit prendre du verre, soit des barres de fer. Moi, je vais prendre des barres de fer, c'est plus stylé. En même temps... Ouais, je vais prendre des barres de fer. Ouais, en même temps, je vais pas gaspiller du fer. Non plus, ça coûte tellement cher, les hoppers. Je préfère plutôt utiliser du verre. Donc, je vais prendre des panneaux de verre et vous en mettez simplement au-dessus des hoppers, et comme ça, ça arrêtera les loots pour éviter qu'ils ne partent dans les hoppers juste en face.
Et pour éviter que ça se mélange ici dans les coffres, vous placez simplement des panneaux de verre sur chaque hopper. Et je pense que ça résoudra le problème. Vu que là, les loads seront automatiquement arrêtés avec les panneaux de verre et tomberont dans le hopper juste devant. Voilà, je vais juste en mettre ici pour être certain. Et il m'en manque juste deux pour là-bas tout au fond. Hop, là par contre je tombe dans le trou du coup. Hop, et voilà, ça y est. C'est terminé, je vais peut-être mettre... Non, je peux pas. Il y a une hitbox trop mal faite avec les panneaux de verre. Et donc voilà, bah écoutez, je crois que c'est terminé. Hein. Mais de toute façon, la déco, j'ai pas tellement besoin de la faire vu que je pense que je vais fermer ici, je vais faire une sorte d'arche. Un truc comme ça, avec peut-être juste le début. Je sais pas, enfin je verrai la déco, ce que je ferai. Je le ferai hors caméra de toute façon. Mais voilà, en tout cas, le système est totalement terminé, totalement fonctionnel. Donc du coup, maintenant, on va passer à autre chose. J'ai une petite idée de ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller se faire un lac de glace. Parce que la glace, je vais en avoir besoin pour les futurs projets. Pour transporter les items. Et du coup, je veux me faire un lac de glace. Donc j'ai un biome neige pas très loin par là-bas et un deuxième par là-bas. Donc je sais pas encore où je vais le faire. Alors, bah, y a pas besoin de grand-chose de toute façon. Ça, je vais juste ranger mes affaires et puis je vais voir ce dont on aura besoin. Et puis on se retrouve dans le biome neige. Alors voilà la taille de mon lac de glace, de mon futur lac de glace. Ça fait une taille de 16 par 16 exactement lorsque la glace se sera formée. Donc ça fait exactement 4 stacks de glace par récolte hein, une fois que tout est gelé. Et donc je suis venu dans ce biome neige là. Il y en avait un deuxième là-bas, sauf que celui là-bas était vraiment trop loin. Et du coup les chunks ne sont pas chargés lorsque je suis dans ma base. Alors que là vous voyez, on a la poule ici et ma base est vers ici, vers en dessous. Donc le chunk ici est largement chargé. Et du coup ça permettra de geler même lorsque je n'y fais pas attention et lorsque je ne reste pas AFK. Enfin que ça m'évite de rester AFK seulement pour de la glace. Hein. Alors en fait le principe ça va être de mettre des sources d'eau ici sur les côtés. Alors j'ai pas besoin d'en mettre sur les deux autres côtés là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça d'ailleurs. J'ai juste besoin d'en mettre sur deux côtés, c'est suffisant. Je modifierai ça tout à l'heure. Du coup on va déjà placer toutes les sources d'eau. Donc il faut des sources d'eau infinies. Attendez, hop. Qu'est-ce qui va pas là? Voilà, c'est bon. Donc il faut des sources d'eau infinies sur deux des côtés de notre lac. Hop, une dernière ici. Voilà, on a des sources d'eau infinies déjà ce côté-là. Et vous voyez que ça commence à se former la glace d'ailleurs. Donc là, en fait, je suis à la limite d'un biome plaine. Vous voyez, ici, je suis en biome... je suis dans les plaines. Ici, je suis taïga. Donc c'est juste bien. C'est juste le bon endroit pour placer mon lac de glace. Hop, alors je vais terminer de placer toutes les sources d'eau. Et vous allez voir que de l'eau va se former absolument partout. Simplement en mettant des sources d'eau dans deux des coins du lac de lave. Ah oui, là c'est parce qu'il y a la glace qui s'est formée. Oh, ça se forme vite d'ailleurs. C'est pour ça qu'ici ça se forme pas, mais voilà, regardez. Tout se forme. D'ailleurs j'aurais plutôt dû mettre les sources infinies ici. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc les sources que je vais laisser, ça va être sur ce côté-là. Et sur ce côté-là, sur les deux autres côtés, j'enlèverai une ligne d'ailleurs. Enfin, je mettrai juste des blocs ici. Et j'enlèverai ces blocs-là, qui sont pas nécessaires du coup. Alors voilà, la glace commence déjà à se former. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais mettre des pistons pour empêcher l'eau de couler une fois que je récolte toute la glace. Parce que si je mets juste des blocs au-dessus de ces sources d'eau ici, donc les sources d'eau ne vont pas se transformer en glace, hein, c'est ce qu'on veut. Sauf qu'après, lorsque je récolterai la glace en bordure ici des sources d'eau, ça libérera toute l'eau et ça va m'embêter. Du coup, je vais faire ça avec des pistons. Et d'ailleurs, je viens de penser que j'aurai pas exactement 16 x 16 de glace, vu que je vais mettre des pistons à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave, j'aurai un peu moins. C'est pas gênant.
Alors, les pistons, je vais les placer. Donc, je vais utiliser des pistons simples, c'est suffisant. Je vais juste les placer comme ça, normalement, ça devrait suffire. Alors là, va falloir que je m'enfonce par contre. Voilà, je vais placer les pistons comme ça. Et du coup, lorsque j'activerai tous les pistons, voilà, c'est juste que ça coupera, ça empêchera l'eau ici de s'éparpiller lorsque je récolterai la glace. Tout simplement. Et faut aussi ne surtout pas oublier de mettre des blocs au-dessus des sources d'eau. D'ailleurs, ici, on va péter la glace qui est ici. Voilà. Et on va juste mettre des blocs au-dessus de toutes ces sources d'eau, donc sur ce côté-là et sur ce côté-là. Je pèterai la glace à la fin. Donc voilà, maintenant je vais placer tous les pistons. Ça va prendre un peu de temps. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de mettre des blocs ici. Quoique, les pistons sont des blocs transparents. Du coup, je pense que la glace peut se former à travers. Du coup, je vais quand même mettre des blocs au-dessus, des blocs pleins au-dessus pour être certain que la glace ne se forme pas ici, parce qu'après, sinon, ça risque de faire des conneries avec des pistons. Du coup, ouais, je vais mettre une ligne de blocs pleins ici, juste au-dessus des pistons. Et je vais faire du coup la même chose de ce côté. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à placer les pistons. Voilà, j'ai terminé de mettre en place les pistons, j'ai supprimé aussi les bandes de stone brick sur les côtés ici qui ne servaient à rien. Et vous voyez que ça avance bien vite, enfin ça gèle bien vite ici, c'est cool. Et du coup maintenant il ne reste plus qu'à placer la redstone, donc je vais placer la redstone partout sur ces blocs pour alimenter les pistons. Et là ce qui va me poser problème par contre c'est que j'ai 16 pistons. Alors quoique non, attends, j'ai un... Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait, ça fait pile 15. C'est la force maximale d'un courant de redstone. Du coup, ce que je vais pouvoir faire... attendez, je regarde. Ouais, ça va être pile juste ce qu'il faut. Donc en fait, je vais juste pouvoir alimenter par ici. Je vais le faire avec un piston collant et un bloc de redstone pour que ce soit plus propre. Hop. Voilà. Et du coup, je vais placer ça ici. Ben voilà, c'est parfait. Et du coup, maintenant pour alimenter, ça va être très simple. J'aurai juste besoin avec un levier. Je vais même placer le levier juste ici. Voilà. Et là, tous les pistons sont activés. Et lorsque je veux... Donc là, c'est pour récolter la glace. Hein. Et lorsque j'ai terminé de récolter toute la glace, j'ai simplement à désactiver ce levier. Oui, je suis bête. Évidemment, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en plus. Un piston avec un bloc de redstone sur le dessus, ça ne fonctionne pas. Du coup, on va inverser ça. On va mettre le piston plutôt vers le haut. Hop, plutôt ici. Voilà, là ça fonctionnera. Par contre, où est-ce que je vais le mettre le levier du coup? Bon, je peux juste mettre un bloc comme ça. Voilà, c'est très bien. Bon, c'est pas forcément très propre. Je vais peut-être bouger ça, je vais faire un truc un peu plus propre. Bon, là, je vais faire un truc comme ça rendra peut-être mieux. Non, pas forcément. Bon écoutez, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. De toute façon, ça sera pas notre source de glace définitive, vu qu'on fera une usine à glace plus tard. Mais pour l'instant, je veux une source de glace rapide. C'est pour ça que je fais ce petit lac de glace en attendant. Et donc là, vous voyez, tous les pistons sont étendus, les sources d'eau sont coincées derrière. Ensuite, j'ai plus qu'à récolter toute la glace, et une fois que ça c'est fait, j'ai simplement... mince, il y a un piston qui est pas étendu là-bas. Et ici non plus, donc je me suis trompé. Ça ne faisait pas 15 blocs. Ah oui, c'est normal, c'est parce que le courant part d'ici. Mais en même temps, j'ai besoin pour alimenter. Ah, je vais peut-être user. Je vais mettre des répéteurs ici. Donc là, si je fais ça,
vous voyez qu'il y a un piston ici qui n'est pas activé. Mais en soi, le piston, j'en ai pas besoin ici. Je vais quand même ruser pour l'activer. Donc je pense que je vais placer juste un fil de redstone ici. Et voilà, on a entendu le piston qui s'est étendu. Voilà, il est bien étendu là. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à placer. Bah, mon levier est placé déjà. Et donc lorsque je veux reformer des sources d'eau partout après la récolte, je désactive et ça reforme partout des sources d'eau infinies. Et je réactive. Et c'est bon pour une prochaine récolte. Voilà, bah écoutez, comme je vous ai dit, ça sera pas notre source de glace définitive, mais ça sera un beau moyen d'avoir la glace facilement pour commencer. Donc je pense qu'on va se quitter là, on a fait de bonnes choses aujourd'hui, des choses utiles surtout. Ça va me servir les citrouilles pour l'éclairage. Je compte éclairer ma base avec des citrouilles ou de la glowstone, ou de redstone lamp aussi, je sais pas, mais les citrouilles, j'ai quelques petites idées déco avec qui pourraient être sympas. Donc on s'en servira pour ça, ça faut que je récolte aussi le blé. Et je vais juste aller voir combien on a de... Je vais dormir un coup. Je voudrais aller voir combien est-ce qu'on a récolté déjà de citrouilles et de melons, juste avant de se quitter. Juste le temps de faire l'usine à glace. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne, wow, 54 melons déjà et 14 citrouilles. Bah écoutez, ça fonctionne vachement bien. Je suis content et puis il n'y a aucun mélange, donc melon à gauche et les citrouilles à droite, il n'y a aucun souci. Bon bah voilà, du coup on va se quitter là. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Allez, bye bye.